Bonjour à tous, je suis Boulehmi Karim. Je suis avec vous aujourd'hui dans une séance encadrée par Monsieur l'inspecteur Bouzidi Abdeltif. Cette séance est destinée aux élèves de 4e année maths et 4e année sciences, au cours de laquelle on va traiter le chapitre fonctions primitives. Commençons par grand 1 définition, soit l'activité suivante. Dans chacun des cas suivants, déterminer une fonction grand F dérivable sur un intervalle sur l'intervalle I est tel que grand F prime égale petit f. Passons à l'exemple A. Soit la fonction qui a pour tout x on associe 2, c'est une fonction constante, donc elle est définie sur tout R. Une fonction grand F qui a pour tout x on associe 2x est dérivable puisqu'elle est il s'agit d'une fonction linéaire, donc elle est dérivable sur tout R, et grand F prime de x égale 2. Un deuxième exemple, soit la fonction définie par f de x égale 2x, il s'agit d'une fonction linéaire, donc elle est définie sur tout R. La fonction grand F qui a pour tout x, on associe x au carré plus 5, est une fonction polynôme, donc elle est dérivable sur tout R. Sa fonction dérivée égale 2x. La fonction petit f qui a pour tout x, on associe x au cube plus x, est une fonction polynôme, donc elle est définie sur tout R. La fonction grand F qui a pour tout x, on associe 1 sur 4x à la puissance 4 plus 1 demi x au carré plus a, c'est une fonction polynôme, donc elle est définie et dérivable sur tout R. Sa fonction dérivée égale petit f. Soit la fonction qui a pour tout x, on associe cosinus x. C'est une fonction trigonométrique. Elle est définie sur tout R. La fonction grand F qui a pour tout x, on associe sinus x, est dérivable sur tout R et sa fonction dérivée égale cosinus x. Plus généralement, la fonction qui a pour tout x, on associe cosinus oméga x plus phi avec oméga i phi sont deux réels. En plus, il faut que oméga doit être différent de 0. C'est une fonction définie sur tout R. La fonction grand F qui a pour tout x, on associe 1 sur oméga sinus oméga x plus phi, est une fonction trigonométrique. Elle est dérivable sur tout R et sa fonction dérivée égale petit f. Un dernier exemple avec la fonction rationnelle. Donc, la fonction petit f qui a pour tout x, on associe moins 1 sur x au carré. Donc, c'est une fonction rationnelle, elle est définie sur R étoile. Mais comme on a indiqué dans l'activité qu'on va chercher une fonction grand F dérivable sur un intervalle, donc j'ai choisi l'intervalle 0 plus l'infini. La fonction grand F qui a pour tout x, on associe 1 sur x, est une fonction dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, et sa fonction dérivée égale moins 1 sur x au carré. Passons maintenant à la définition. Soit petit f et grand F, deux fonctions définies sur un intervalle i de R, on dit que f est une primitive de petit f sur i, si la fonction grand F est dérivable sur i, et si pour tout x de i, on a grand F prime de x égale petit f de x. Dans cette définition, il y a deux remarques qu'il faut les indiquer. Donc, une première remarque telle que les deux fonctions doivent être définies sur un intervalle. Une deuxième remarque concernant une primitive. Donc, grand F est une primitive. Pourquoi on dit une primitive? Alors, si grand F est une primitive de petit f sur i, alors la fonction qui a pour tout x, on associe g de x égale grand F de x plus k, avec k est un réel, est aussi une autre primitive. Pourquoi? Parce que grand g est une fonction dérivable sur l'intervalle i, puisque grand F est dérivable. Sa fonction dérivée égale grand F prime de x qui est égal à petit f. C'est pour cela qu'on dit une primitive, on ne dit pas la primitive. On passe maintenant à un exercice.
montrer que la fonction qui a pour tout x, on associe grand f de x égale x racine de x, est une primitive sur l'intervalle 0 plus l'infini de la fonction petit f qui a pour tout x, on associe 3 demi racine de x. Donc, il faut tout d'abord montrer la dérivabilité de grand f sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, puis on passe à la dérivabilité de grand f à droite en 0. Pour cela, on a un petit rappel concernant la dérivabilité des produits des fonctions dérivables. Si u et v sont deux fonctions dérivables sur un intervalle i, alors u fois v est dérivable sur i et u fois v prime égale u prime fois v plus u fois v prime. Donc, grand f est le produit de deux fonctions dérivables sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, elle est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, les deux fonctions, ce sont la fonction qui a pour tout x, on associe x, et la fonction qui a pour tout x, on associe racine de x. Ce sont deux fonctions usuelles, donc elles sont dérivables sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. D'où la dérivabilité de grand f sur 0 plus l'infini. On passe au calcul de sa fonction dérivée. Bien sûr, pour tout x supérieur strictement à 0. Donc, grand f' de x égale la dérivée de x égale à 1 fois racine de x, plus x fois la dérivée de la fonction qui a pour tout x, on associe racine de x. Donc, f' de x égale, après le calcul, on obtient grand f prime de x égale 3 demi racine de x qui est égal à f de x. Est-ce qu'on peut conclure que grand f est une primitive de petit f? Bien sûr que non. Il nous reste à démontrer la dérivabilité de grand f à droite en 0. Pour cela, on va calculer la limite lorsque x tend vers 0 plus grand f de x moins grand f de 0 sur x moins 0 qui est égal à la limite au voisinage de 0 plus x racine de x sur x qui est égal encore 0. Donc 0 égale petit f de 0. Donc grand f est dérivable à droite en 0. On peut dire que grand f prime est prolongeable par continuité à droite en 0. Donc finalement, on peut dire, conclusion, grand f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini et grand f est une primitive de petit f sur l'intervalle 0 plus l'infini. On passe maintenant à un théorème. Donc, tout d'abord, la question qui se pose, est-ce que toutes les fonctions admettent des primitives? Quand une fonction admet une primitive? Donc, c'est le premier théorème qui est un théorème admis. Toute fonction continue sur un intervalle i admet au moins une primitive sur i. C'est-à-dire, on va étudier seulement les fonctions continues dans cette leçon, qui toujours admet au moins une primitive, bien sûr. La continuité doit être sur un intervalle i. Exercice. Soit f la fonction définie sur l'intervalle moins 1 a, sur l'intervalle ouvert moins 1 a, par f de x égale moins x sur racine de a moins x au carré. Premièrement, on va justifier que la fonction f admet une primitive sur l'intervalle moins 1 a. Deuxième question, soit grand f la fonction définie sur l'intervalle ouvert moins 1 a par grand f de x égale racine de a moins x au carré plus 1. Montrer que grand f est une primitive de petit f sur l'intervalle moins 1 a. Tout d'abord, on va commencer par la première question, justifiée. Que la fonction f admet une primitive. C'est pour cela qu'il faut montrer que f est continu sur l'intervalle moins 1 a. Donc, premièrement, f est le quotient de deux fonctions continues sur l'intervalle moins 1 a, a dénominateur non nul, donc elle est continue sur l'intervalle moins 1 a. D'où l'existence des primitives. Alors, f admet au moins une primitive sur l'intervalle moins 1 a. Deuxième question,
On a la fonction qui a pour tout x, on associe a moins x au carré et dérivable est strictement positif sur l'intervalle moins 1, 1. Donc la fonction qui a pour tout x, on associe racine de a moins x au carré et dérivable sur l'intervalle moins 1, 1. D'où la dérivabilité de la fonction grand f sur l'intervalle moins 1, 1. Et grand f prime de x égale moins 2x sur 2 racine de a moins x au carré, qui est égal par simplification par 2, égale moins x sur racine de a moins x au carré, qui est égal à petit f de x, d'où la conclusion, grand F est une primitive de petit f sur l'intervalle moins 1, 1. Un deuxième théorème, soit f une fonction définie sur l'intervalle i, soit si grand F et grand G sont deux primitives de petit f sur i, alors la différence f grand F moins grand G est une constante, c'est-à-dire c'est une fonction constante sur l'intervalle i. C'est-à-dire la différence entre deux primitives quelconques d'une même fonction qui est définie et continue sur un intervalle i est toujours une constante. Passons à la démonstration. Grand F et grand G étant deux primitives de petit f sur i, donc grand F et grand G sont dérivables sur i. La différence grand F moins grand G prime égale grand F prime moins grand G prime qui est égal petit f moins petit f qui est égal à 0. Donc grand F moins grand G est une constante. Corollaire, si f est une fonction continue sur un intervalle i et x0 appartient à i, y0 un réel quelconque, alors il existe une primitive unique grand F de petit f sur i tel que grand F de x0 égale y0. Alors ici, si on fixe un point ou bien on fixe un réel x0 sur le domaine de continuité de la fonction i et on fixe son image, alors la primitive sera unique. Dans ce cas, on dit que grand F est la primitive qui vérifie cette condition. Démonstration. Supposons que grand F et grand G sont deux primitives sur de petit f sur i tels que grand F de x0 égale y0 et grand G de x0 égale y0. Donc, il faut montrer que grand F et grand G sont égales. Alors, il existe un réel C tel que pour tout x appartient à i, grand F de x moins grand G de x égale à C. On sait que la différence de deux primitives est toujours une constante. C'est la fonction constante. Comme grand F de x0 moins grand G de x0 égale y0 moins y0 qui est égal à 0, alors la constante est nulle. Donc, il s'agit d'une fonction nulle, d'où grand F égale grand G. L'existence, bien sûr, découle de la continuité de petit f. Passons maintenant à un exercice d'application. Soit la fonction f définie sur R par f de x égale 3x au carré plus 2x. Déterminer la primitive grand F de petit f sur R telle que grand F de 1 égale moins 2. Donc, avant de déterminer la primitive, il faut montrer tout d'abord l'existence d'une telle primitive. Donc la fonction petit f est une fonction polynôme, donc elle est continue sur tout R, d'où l'existence des primitives. Donc f est continue, donc grand F, on suppose que grand F est une primitive. Alors grand F de x égale x au cube plus x au carré plus c. On a fixé un point, donc cette primitive sera unique. Donc il faut chercher C qui vérifie la condition f de 1 égale moins 2. Cela signifie que 2 plus C égale moins 2, signifie que C égale moins 4, donc grand F de x égale x au cube plus x au carré moins 4. Passons maintenant à une deuxième partie, primitive des fonctions usuelles. On va établir tout d'abord quelques formules sur les opérations des fonctions primitives. Théorème numéro 3. Soit grand F et grand G deux fonctions
deux primitives respectives de deux fonctions petit f et petit g sur un intervalle i. Premier résultat, la fonction grand F plus grand G est une primitive de petit f plus petit g sur i. Soit lambda un réel, la fonction lambda fois grand F est une primitive de lambda fois petit f sur i. Conséquence, si grand F et grand G sont deux primitives respectivement de petit f et petit g sur un intervalle i, alors alpha grand F plus bêta grand G plus C est une primitive de la fonction alpha F plus bêta G sur l'intervalle I pour tout alpha et bêta de réel. Un exercice d'application. Soit F et G deux fonctions définies par F de X égale X sinus X et G de X égale X cos X. Premièrement, calculer f' de x et g' de x pour tout x appartenant à R. Deuxièmement, en déduire une primitive de sur R de la fonction petit h définie par h de x égale 2x plus 3 facteur cos x plus 2x moins 3 fois sinus x. Donc, pour passer aux solutions, on sait que f est le produit de deux fonctions dérivables sur toute R, donc elle est dérivable. Donc f' de x égale sinus x plus x cos x. De même pour la fonction g, c'est le produit de deux fonctions dérivables, donc elle est dérivable sur toute R. Et g' de x égale x égale cosinus x moins x sinus x. Passons maintenant aux deuxièmes questions. On déduit une primitive de h. Est-ce que c'est facile à déterminer une fonction primitive de petit h directement? Donc, concernant la fonction petit h, c'est difficile à trouver une primitive à partir de cette expression. C'est pour cela qu'on va chercher une autre écriture de h comme étant une combinaison de f' et g'. Donc, on va développer l'expression 2x plus 3 fois cos x plus 2 moins 3x sinus x. On trouve ce résultat. Puis, on va faire une factorisation partielle. Donc, h de x égale 2 facteur de x cos x plus sinus x plus 3 cos x moins x sinus x qui est égal. Donc, à quoi est égal x cos x plus sinus x? C'est la fonction f' de x. Donc, h de x égale 2 f' de x plus 3 g' de x. À partir de cette combinaison, on peut trouver une primitive de petit h. Soit grand h, une primitive de petit h sur R. Alors, h de x égale 2 f de x plus 3 g de x plus k avec k est un réel. Donc, primitive des fonctions usuelles. Dans le tableau ci-dessous, grand F désigne une primitive de la fonction petit f sur l'intervalle i. A, C, oméga et phi sont des réels avec oméga différents de 0. Voici un tableau qu'on va organiser sur lequel quelques formules des fonctions usuelles. Commençons par la fonction constante qui a pour tout x on associe a. C'est une fonction continue sur tout r. Donc elle admet une primitive. Grand f qui a pour tout x on associe à x plus c est une primitive de petit f. Passons maintenant aux fonctions de type, de type x on associe x à la puissance n avec n appartenant à n étoile. Ce sont des fonctions continues sur tout R, donc elle admet des primitives. Grand F qui a pour tout X, on associe X à la puissance N plus 1 sur N plus 1 plus C est une primitive de cette fonction. Donc la fonction qui a pour tout X, on associe X à la puissance N avec N appartient à Z moins privé de moins 1. C'est une fonction définie sur R étoile et continue sur chacun des intervalles, moins l'infini 0 ou bien 0 plus l'infini.
on a mentionné que qu'une primitive existe que lorsque une fonction est continue sur un intervalle. C'est pour cela qu'on a choisi l'intervalle moins l'infini 0 ou on peut choisir l'intervalle 0 plus l'infini. La fonction grand f qui a pour tout x, on associe x à la puissance n plus 1 sur n plus 1 plus c, est une primitive de cette fonction. La fonction qui a pour tout x, on associe racine de x, c'est une fonction continue sur 0 plus l'infini. Donc elle admet une primitive grand f qui a pour tout x, on associe 2 tiers x racine de x plus c. La fonction qui a pour tout x, on associe 1 sur 2 racine de x, est une fonction définie et continue sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc elle admet une primitive grand f qui a pour tout x, on associe racine de x plus c. Passons maintenant aux fonctions trigonométriques. La fonction qui a pour tout x, on associe cosinus x, on a dit qu'il s'agit d'une fonction continue sur tout r. Donc elle admet une primitive, la fonction grand f qui a pour tout x, on associe sinus x plus c. De même pour la fonction qui a pour tout x, on associe sinus x, c'est une fonction continue sur tout r. Donc elle admet une primitive qui a pour tout x, on associe moins cos x plus c. La fonction qui a pour tout x, on associe cosinus oméga x plus phi, avec oméga est un réel différent de 0, c'est une fonction continue sur tout R de même. Donc elle admet une primitive, la fonction grand F qui a pour tout x, on associe 1 sur oméga sinus oméga x plus phi plus c. De même pour la fonction qui a pour tout x, on associe sinus oméga x plus phi, avec oméga toujours différent de 0, c'est une fonction continue sur R. Donc, elle admet une primitive, la fonction grand F qui a pour tout x, on associe moins 1 sur oméga cosinus oméga x plus phi plus c. Pour la fonction qui a pour tout x, on associe 1 plus tangente carré x. C'est une fonction qui est continue sur chaque intervalle de type moins pi sur 2 plus kpi, pi sur 2 plus kpi avec k appartenant à z. Donc elle admet une primitive. La fonction grand F qui a pour tout x, on associe tangente x plus c. La fonction qui a pour tout x, on associe moins 1 plus cotangente carré x, c'est une fonction définie et continue sur les intervalles de type pi fois k et k plus 1 fois pi avec k appartenant à z. Donc elle admet une primitive, la fonction grand F qui a pour tout x, on associe cotangente x plus c. Donc on va établir quelques formules dans ce tableau. La fonction petit f égale u' plus v' admet une primitive u plus v. Lambda fois u' avec lambda est un réel. Lambda fois i est une primitive de cette fonction. La fonction u' plus v plus uv' admet une primitive qui est u fois v. U' sur u au carré avec u de x différent de 0 pour tout x de i admet une primitive moins a sur u. U' fois v moins uv' sur v au carré tel que v doit être différent de 0 pour tout x de i admet une primitive u sur v. U à la puissance u prime fois u à la puissance n avec n est un entier naturel différent de 0 admet une primitive u à la puissance n plus 1 sur n plus 1. U prime fois u à la puissance n avec n appartenant à z privé de moins a et u doit être différent de 0 pour tout x de i admet une primitive u à la puissance n plus 1 sur n plus 1. U prime sur 2 racines de u tel que u de x supérieur à 0 strictement pour tout x appartenant à i admet une primitive racine de u. Finalement, la fonction composée, u' fois
W prime rend U, tel que W est une fonction dérivable sur U de I, admet une primitive W rend U. Passons maintenant à quelques applications. Donc, premier exercice. Dans chacun des cas suivants, donnez une primitive grand F de la fonction petit f sur l'intervalle I. Donc, on va traiter quelques exemples. Premier exemple, une fonction polynôme. F de x égale 2x au cube moins 3x au carré plus 1/2. L'intervalle I égale à R. La deuxième fonction, f de x égale moins 1 sur x au carré plus 2 sur x au cube avec i égale 0 plus l'infini. Un troisième exemple, f de x égale 2x au carré moins 3x à la puissance 4 fois 2x moins 3/2 et i égale à r. Et un quatrième exemple, f de x égale x plus 2 sur racine de x au carré plus 4x moins 5 avec i égale 1 plus l'infini. On passe à la correction. Premier exemple, soit la fonction f de x égale 2x au cube moins 3x au carré plus 1/2. C'est une fonction polynôme, donc elle est continue sur tout R, alors elle admet une primitive. On va chercher grand F de x. Donc on sait que x au cube admet une primitive, la fonction qui a pour tout x, on associe x à la puissance 4 sur 4. Donc, fois 2 sera le résultat 1/2 x à la puissance 4. De même, 3x au carré, sa fonction primitive est moins x au cube, puisque x au carré admet une primitive, x, on associe x au cube sur 3. Puis, on va simplifier par 3, on obtient le résultat moins x au cube. Plus 1/2, qui est une fonction constante, une primitive de 1/2 est 1/2x. Donc grand F de x égale 1/2x à la puissance 4 moins x au cube plus 1/2x plus c, avec c étant réel. Deuxième exemple, f de x égale moins 1 sur x au carré plus 2 sur x au cube. C'est une fonction rationnelle, elle est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini au vert. En réalité, la fonction f est définie et continue sur R étoile, mais on a choisi l'intervalle 0 plus l'infini, 0 plus l'infini pour déterminer une primitive sur cet intervalle. Moins 1 sur x au carré, une primitive de cette fonction est 1 sur x. Et 2 sur x au cube admet une primitive moins 1 sur x au carré. Donc grand f de x égale 1 sur x plus 1 sur, moins 1 sur x au carré plus c avec c appartenant à R. Troisième cas, f de x égale 2x au carré moins 3x à la puissance 4 fois 2x moins 3/2. C'est une fonction polynôme, elle est continue sur tout R, donc elle admet une primitive. Mais cette expression de f, est-ce que cette expression nous permet de déterminer directement une primitive? La réponse est non. C'est un peu flou ici. Donc, on passe au premier facteur, 2x au carré moins 3x. Donc, sa fonction dérivée est 4x moins 3. Donc, on a rectifié ici ce facteur, 2x moins 3/2, par 4x moins 3, et on fait factoriser par 1/2. Donc on obtient 4x moins 3 qui est la dérivée de 2x au carré moins 3x. Donc la fonction grand f de x égale 1/2, c'est la constante, donc fois 2x au carré moins 3x à la puissance 5 sur 5. On obtient finalement grand f de x égale 1 sur 10 fois 2x au carré moins 3x à la puissance 5 plus C. Quatrième exemple, soit la fonction f de x égale x plus 2 sur racine de x au carré plus 4x moins 5. Donc cette fonction est définie et continue sur l'intervalle moins l'infini moins 5 union 1 plus l'infini, mais on a choisi un intervalle
mais on a choisi l'intervalle 1 plus l'infini. Donc f de x égale 4x plus 4, c'est quoi 4x plus 4? C'est la fonction dérivée de x au carré plus 4x moins 5 pour rendre cette fonction à la forme u prime sur 2 racine de u. Donc grand f de x égale racine de x au carré plus 4x moins 5 plus c est une primitive de petit f. Passons maintenant au deuxième exercice. Soit f la fonction définie sur R privé de A par f de x égale x au cube moins x au carré moins x plus 5 sur x moins 1 au carré. Première question, montrer qu'il existe trois réels A, B et C tels que pour tout x appartenant à R privé de A, f de x égale à x plus B plus C sur x moins 1 au carré. Deuxième question, déterminer la primitive de petit f sur l'intervalle 1 plus l'infini tel que grand f de 2 égale 0. Donc passons à la première question. Pour tout x appartenant à R privé de A, on va commencer par l'expression 2. Donc ax plus b plus c sur x moins a au carré. On va réduire au même dénominateur. On obtient ax plus b facteur de x moins 1 au carré plus c sur x moins 1 au carré. Donc, puis on va développer l'expression et organiser l'expression au numérateur. On obtient ax au cube plus entre parenthèses b moins 2ax au carré plus a moins 2bx plus b plus c sur x moins 1 au carré. Donc cette expression doit être égale à f de x. Pour cela, on a identifié les coefficients de ce polynôme. On a trouvé que a égale 1, donc le coefficient de x au cube qui est égal à a, ici égal à 1, b moins 2a égale moins 1, a moins 2b égale moins 1, et b plus c égale 5. Donc, le système est le suivant, a égale à 1, b moins 2a égale moins 1 et a moins 2b égale moins 1. Finalement, b plus c égale à 5. Donc, le système suivant admet une unique solution. A égale à 1, b égale à 1 et c égale 4. Donc, la fonction f de x égale x plus 1 plus 4 sur x moins 1 au carré. Passons maintenant à une primitive. Donc, grand f de x égale 1 demi x au carré est une primitive de la fonction qui a pour tout x, on associe x, plus x, moins 4 sur x moins 1 plus k, avec k appartenant à R. Or, f de 2 égale à 0. Donc, on a fixé un point, on va chercher le réel k. Donc, f de 2 égale 0. On va remplacer les x par 2. Donc, grand f de 2 égale 0, alors k égale 0. Donc, grand f de x égale finalement 1 demi x au carré plus x moins 4 sur x moins 1 est la primitive qu'on cherche. Merci pour votre attention. C'est la fin de notre séance. À bientôt.